Bonsoir à tous et à toutes, amis backstagers. Bienvenue sur ce direct backstage. Pour petit rappel, le direct backstage, c'est l'émission que j'anime en direct pour vous, les abonnés de la chaîne guitare, exclusivement pour les abonnés, tous les mercredis soirs à 19h. Donc, si vous regardez ce petit bout de vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est parce que vous êtes encore dans la partie bande-annonce. Donc, si vous voulez venir discuter chiffon, avoir les dernières nouvelles de tout ce qui s'est passé dans le merveilleux monde de la guitare, eh bien, rendez-vous sur la chaîne guitare.com pour prendre votre abonnement. C'est 10€ par mois. Donc une misère, et vous savez quoi, en plus c'est satisfaction garantie, donc si l'abonnement ne vous convient pas sur le premier mois, je vous rembourse évidemment rubis sur l'ongle sans problème, voilà. Donc je suis très content de vous retrouver. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors j'ai teasé cette semaine que pour les lives de cette semaine va y avoir une guitare inédite. Alors oui, parce qu'il va y avoir deux lives cette semaine. Il y a ce direct backstage là en ce moment, maintenant, là tout de suite. Et demain soir je ferai une FAQ en public, donc devant les internautes, l'internet au complet. Ça sera un peu en mode FAQ. Donc d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je compte aussi sur votre présence demain à 19h, donc ça sera sur la page Facebook à ce moment-là, pour faire un maximum d'évangélisation et puis dire ô combien aux internautes à quel point la vie est plus belle et on joue mieux de la guitare et on vit mieux sa passion de la guitare à partir du moment où on est abonné à la chaîne guitare. Donc ça sera demain à 19h. Donc alors je sais que vous bouillonnez, je sais pas comment faut dire, bouillonnez, non, enfin bref, vous êtes très très impatient de savoir quelle est la fameuse guitare mystère. Vous savez quoi, là, si je tends la main comme ça, je peux même caresser le manche comme ça, c'est quand même scandaleusement odieux, hein. Donc avant de vous la montrer, je regarde dans la chatroom. Salut Alexandre, salut Loïc, bonsoir Stéphane, salut Yann, salut Julien. Donc voilà, je vous ai donné un indice, RB, je vous ai donné deux lettres tout à l'heure, et je peux vous même donner un autre indice, une couleur, c'est la couleur bleue. Hein, est-ce que ça vous dit quelque chose ou rien du tout? Hein, dites-moi si... allez, lancez-vous, quoi. Faites-vous plaisir, c'est un peu le but du jeu, quoi. Salut Arié, comment est-ce que ça va, Arié? Donc, alors, comment vous annoncez l'arrivée de cette guitare? Alors, c'est une marque hyper méga connue, c'est une marque légendaire. Est-ce que je vous ai déjà présenté des tests de cette marque? Oui. Tout à fait, donc ça vous dit pas grand chose. Il y a Loïc qui dit Riken, alors non, bien essayé, mais non. PRS, non, pas PRS. Alors j'avais dit aussi comme indicateur, effectivement, que c'était une marque américaine. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un dernier indice avant que je vous montre la guitare en question. Je suis passé tout près, mais pas très loin, mais j'ai pas perdu espoir, de faire en interview le musicien juste après le NAM. Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Toujours rien? Allez, j'attrape la guitare et je vous la montre. Je vais vous la faire rentrer par quel bout, tiens, je ne sais pas. Hein, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt le haut, plutôt le bas? Je ne sais pas. Hein. Ah, ah, ah. Oh, vous avez vu un petit bout de mécanique là? Là, si je vous montre ça, ça vous dit quelque chose? Allez, on va pas vous faire poireauter plus longtemps. Regardez ce que je vous présente ce soir. Et oui, Stéphane, il a trouvé. Il s'agit effectivement de la Les Paul Double Cut de Mr. Rick Beato. Je peux même vous montrer sur cette caméra, voilà. Regardez comme c'est beau, comme c'est joli. C'est la Les Paul spéciale. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com.